Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Bonjour Axel, Zoé Lou et Léa. Noël est le temps de l'année parfait pour rappeler aux gens qu'on les aime. Que dirais-tu de fabriquer des belles cartes de Noël à ta famille et tes amis, ceux que tu aimes beaucoup? N'oublie pas d'y mettre plein d'amour et de les poster. Vas-y. Assis, allez. Bon matin, bon traditionnel chin de coffee de Vlogmas. Je pense que je ne peux m'empêcher de prendre mon café dans une tasse de Noël tout le mois de décembre. Pas le choix. Mmh. Je me suis fait ce matin ma fameuse recette de café protéiné. Je vous l'ai filmé pour vous la mettre en reel au courant du mois, la semaine prochaine. C'est trop bon, puis pour vrai, ben, je pense même que je vais faire le reel puis je vais le mettre dans ma bulle. Ta réponse dans une de mes bulles parce que c'est tellement la question que j'ai tout le temps. Puis là, si vous n'avez pas vu sur le gram, j'ai recommencé le concerto. Si vous savez rien du tout de tout ça, vous pouvez aller voir. Là, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Maman et TDAH. Puis j'explique vraiment long en large et ça doit être ma vidéo de tout Instagram, YouTube confondu qui a fait le plus réagir. J'explique vraiment ce qui. Je suis zéro scientifique. Scientifique. Je suis zéro psy. Je suis zéro. J'ai zéro fait d'études là-dedans. Mais j'explique vraiment de A à Z ce qui se passe dans ma tête en tant que TDAH. Assez intense, je vous dirais, quand j'ai été diagnostiquée. Parce que j'ai fait cette vidéo-là, parce que il y a beaucoup de parents. En fait, c'est très héréditaire, le TDAH. Fait que si, mettons, t'es avec un gars qui a un TDAH, puis que ton enfant a le TDAH, tu ne comprends vraiment pas ses impulsivités, ses façons d'agir. Fait que bref, je vais pas redupliquer ce que j'ai dit. Fait que je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Puis bref, je le prenais plus depuis. Tu sais, ça a été compliqué. Tu peux comme, c'est pas recommandé de prendre ça enceinte et quand t'allaites. Fait que, on va se le dire, j'ai eu 3 enfants en bas de, ben pendant 5 ans, genre. Fait que, puis j'ai allaité quand même longtemps les 3 enfants. Fait que j'ai comme pas pris, là, j'avais recommencé avant le COVID, je pense. Puis ma dose, qu'est-ce qui est tough, c'est de trouver la bonne dose. Là, c'était trop gelé ou l'autre dose n'était pas correcte en tout cas. Fait que là, j'avais comme, je l'ai arrêté de prendre pendant 2 ans. Puis là, je suis rendue là. À le reprendre, là, sincèrement, je suis j'étais rendue très, très, très impulsive dans tout ce que je faisais. Tu sais, mon impulsivité, c'est vraiment mon plus gros trait de caractère du TDAH. Je suis impulsive autant que ce soit avec les gens, autant dans mes paroles, autant, pis ça peut être blessant les paroles, on s'entend, là, tout ce que tu dis, t'as pas de filtre. Dans le fond, là, le TDAH, c'est vraiment sur ton cerveau, c'est un trouble, là, je veux dire, c'est pas genre, ça se soigne pas dans le sens que il manque quelque chose à ton cerveau, fait que tu t'as bien beau être la meilleure personne du monde si t'as un TDAH, c'est pas de ta faute, t'as pas cette partie-là. Fait que la partie de filtre, de manque de tact, c'est tout. Ça fait toute partie du TDAH. T'sais, on a tous des TDAH à des niveaux différents. Mais moi, mon plus gros trait de caractère, c'est... j'ai un gros H, TDAH, mais ça, au contraire, ça m'a vraiment, vraiment juste
aidé toute ma vie, mis à part que mes enseignants au primaire secondaire me trouvaient turbulente, si on peut dire, mais c'était jamais négatif. Les profs m'aimaient full, puis justement, j'étais celle qui embarquait le monde à participer. Puis souvent, là, au secondaire, les gens me prenaient en dehors de la classe. Je vais aller baisser le son. J'avais mis un petit film aux enfants. Je mets tout le temps la télé hein, le matin quand que tout le monde est prêt pour pas que ça ralentisse le temps qu'ils mangent. Quand que je descends en bas avec Eléa, les mardis, jeudis, vu que j'ai les deux autres, on attend l'autobus en bas. Fait que je reste comme dans le portique. On est chanceux, l'autobus arrive vraiment devant ma porte. Fait que on fait juste ouvrir la porte. Fait que je reste en bas, puis les enfants, ils peuvent comme se starter un petit film. Puis souvent, à cette heure-là, il est 8h15, là, à cette heure-là, on l'arrête, on fait des activités. Puis plus tard, comme pendant le dîner, je le recommence. Fait que je disais que, les enseignantes, j'ai pas eu tant d'enseignantes qui ne m'aimaient pas. Au contraire, ils me prenaient à part, puis étaient comme, bon, Vic, aujourd'hui, je veux apporter les mathématiques d'une course, d'une façon. Est-ce que, tu sais, si tu montres que t'es... Si j'étais un leader... En fait, j'étais un leader, fait que... Puis très, très positif. Fait que si j'arrivais d'une façon positive, les autres me suivaient. Fait que les profs m'ont beaucoup utilisé de cette façon-là. Puis c'est correct parce que moi, il fallait vraiment que tu prennes mon énergie puis tu l'utilises pour quelque chose. Tu sais, les bons profs, là, je les reconnaissais tout de suite, c'est sûr. Ben, je les reconnaissais tout de suite. Ma mère les reconnaissait tout de suite. C'est sûr qu'ils me faisaient aiguiser les crayons de tout le monde, qu'elle allait me faire... Tu sais, dans le temps, on allait porter les présences là, au secrétariat. C'était tout le temps moi. J'avais besoin de bouger, sinon vous savez, ils savaient que j'étais comme pas du monde. Mais ma partie hyperactive m'a vraiment beaucoup aidée. Tu sais, j'accouche. Puis, je peux aller courir un marathon après. Je dors pas je dors une heure, puis c'est comme si j'en avais dormi 12. T'sais. Fait que ça m'a plus apporté de bien que de mal. Et côté impulsif, je vous dirais 80% de mal et 20% de bien. Je vous explique pourquoi. Toutes mes décisions impulsives, mes grosses décisions de ma vie impulsives, ont vraiment été les meilleures décisions de ma vie. Tu sais, Léa, on a décidé de la faire. C'était pas. Ça faisait pas. Ça faisait 8-9 mois que j'étais avec Max, là. Je veux dire, c'était pas. Les deux, on savait qu'on voulait des enfants, puis tout. Mais on était comme, hey, là, on a des amis qui s'essaient depuis tellement longtemps. Let's go, on s'essaye, je tombe enceinte. Même affaire, Zoé, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans la douche. Léa, elle avait 9 mois. Puis j'étais dans la douche avec Max parce que c'était comme notre moment dans le temps quand on était masso. Le seul moment qu'on avait ensemble, c'était on prenait notre douche. Genre, fait qu'on jasait full dans la douche. Puis, je m'avais regardée, puis j'avais comme retrouvé ma shape, si on veut. Puis, j'avais dit à Max, puis Eléa, elle a fait ses nœuds 3 semaines. Là, ben, oui, fait que c'était vraiment un bébé facile, là. Tu sais, on allait à Belle et la Buffe, je l'allaitais, je mettais dans sa coquille, on repartait, je l'allaitais avant de se coucher, c'était n'importe quoi. C'est comme si on n'avait pas de bébé. Pour vrai, moi, et Max, on s'est vraiment souvent dit, ben, voyons donc le monde qui chiale, qui ont des enfants, que c'est difficile. On a juste été très chanceux à notre première. Fait que là, c'est ça, à 9 mois, j'étais comme, elle adore bien, j'ai retrouvé ma shape. J'ai recommencé à travailler, ça fait un bout parce qu'Elia, ben, à aucun, j'avais arrêté longtemps. Fait que j'étais comme, tu sais, let's go, tu sais. Puis j'avais eu full une belle grossesse. Fait que ça aussi, c'était comme coup de tête. Puis ça donnait, j'ai comme réactivé mon calendrier d'application d'ovulation. Puis ça donnait que 2 jours plus tard, je voulais, je tombe enceinte. Tu sais, c'est comme ça, la maison, écoute, c'était prévu qu'on achète une maison 2 ans plus tard. Puis finalement, j'étais comme, je me souviens pas pourquoi, mais c'était trop petit. Genre, j'ai pas eu une heure une soirée. J'ai dit, là, je suis tannée, on manque d'espace, on était dans un demi-sous-sol. Puis là, j'ai dit, je suis tannée, là, on déménage. 2 semaines plus tard, on avait acheté la maison, tout était signé, genre. Will and You, c'est pas cet été, pendant la pandémie. Je pense que si j'avais comme été sur le TDA, j'aurais peut-être pas acheté, tu sais, j'avais une job. Avoir été sage, je veux dire, je m'assieds, j'avais une job, je faisais un bon salaire, j'avais mes clients réguliers depuis 7 ans, genre, j'avais aucune raison de changer de job. Puis, sur un coup de tête, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Genre, tu sais, j'avais 27 ans, 26, 27 ans. Je suis comme rendue à un stade que je disais à tout le monde que ma vie était plate, dans le sens que ma famille était finie, on est mariés, on a une maison qu'on rénove comme, tu sais, petit peu par petit peu. Il peut pas avoir de grosses annonces, il peut comme pas avoir. Tu sais, avant, on allait, parenthèse, vous allez trouver l'intro longue, là, j'en ai bien à vous dire un matin. Je sais pas si vous aimez le blabla, vous aimez mieux l'action, vous me direz en commentaire, parce que moi, il y a des amis qui me disent, moi, je suis plus elle, parce que c'est juste du blabla, on voit pas qu'est-ce qu'elle fait, fait que vous me direz ça en commentaire. Mais, est-ce que j'allais où avec mes skis, la TDAH? Ah, je disais qu'avant, moi, puis mes amis, mes meilleurs amis, on allait voir à chaque année une voyante, puis c'est comme un resto, je me souviens pas comment ça s'appelle, le Bella quelque chose, là, à Rosemère, en tout cas, je suis vraiment pas, je l'invite, moi. Puis, l'année que je me suis mariée, l'année que je suis tombée enceinte d'Axel, je pense, j'étais comme, j'irai plus les filles, qu'est-ce que tu veux qu'elles m'apprennent, à part des mauvaises nouvelles, tout va bien dans ma vie, je veux dire, j'ai un chum que c'est l'amour de ma vie, on est mariés, j'ai une maison, puis on pense pas déménager, ça va bien, les deux, on a comme un salaire que,
ça peut comme, pas que ça peut mal aller, c'est pas vrai, là, ça peut aller mal tout le temps. T'sais, lui, il était tireur de joint pour mon père, que sa compagnie marche depuis 30 ans, même plus que ça. Moi, j'étais masso, j'avais ma clientèle depuis 7 ans, on a 3 enfants en santé. Je suis comme, je veux pas aller là puis me dire que, hey, il va y avoir une mort dans ta famille. Fait que j'y allais plus. Fait, en tout cas, bref, je disais que ma vie était comme rendue monotone, si on veut. Fait que quand que Alex, elle m'a comme proposé d'acheter 50% de Willet New, tu sais, on a vraiment parlé pendant plein de semaines, là, parce que, tu sais, je checkais les pots, les cons, hein. Mais je me suis quand même lancée. Au lieu de juste dire, hey, je vais rester sage, puis finalement, ça a juste apporté du bon. Fait que toutes les grosses décisions impulsives que j'ai faites, tu sais, on a plein de ça, des décisions impulsives, là. Même chose pour Création V. Je veux dire, on pouvait travailler de la maison, puis au moment où on s'est mis à avoir des items, je suis comme, j'étais chez nous la dernière fois, c'était chez nous dans mon, ou que ma chambre maintenant. Puis une journée, j'ai juste pogné les nerfs, j'étais comme, non, il n'y a plus de place, on va dans un local. Mais ça aussi, c'est une grosse décision, tu sais, c'est des. Création V, on n'avait aucun paiement. Par mois ou par année, tu sais, je veux dire, moi, les filles sont à contrat, fait que si Création V marche pas, on peut pas faire faillite, dans le fond. Mais là, OK, là, on se mettait un local à payer, mais c'est quand même aussi la plus belle décision que j'ai faite. C'est le fun, le ramassage en magasin, les filles ont plus d'espace. Encore là, c'est drôle parce que faudrait déjà déménager pour plus grand. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que l'impulsivité a eu un 20%, mettons, qui m'a vraiment apporté du positif. Par contre, comme je vous dis, depuis la pandémie, je dirais que, tu sais, les dernières années, je me suis vraiment dit, hey, je suis un adulte, je suis capable de retenir mon impulsivité. Mais c'est plus fort que moi, là, tu sais, autant avec mes proches que mes employés, que mes collègues, que mon chum, que ma mère, que ma soeur, l'impatience. Est-ce que vous le voyez? L'impatience avec mes enfants, je suis comme. C'est pas genre. Vous voyez, depuis que j'ai recommencé, ça doit faire peut-être. Tu sais, là, ça fait plus qu'une semaine. Fait que, mettons, ça fait quelques jours là, que je le sens le pire. C'est qu'on dirait que quand je prends le concerto, je sens le filtre se mettre. Tu sais, mettons, Eléa qui me fait pogner le plus une heure. Puis, ah, tu sais, j'aurais fait genre là, tu t'en vas dans ta chambre. Puis là, maintenant, je suis juste comme. Là, mon amour, je t'avertis la prochaine fois. Mais j'étais même avant comme mère, là. J'ai comme. Pas perdu la carte, mais parce que j'étais plus capable de me contrôler. Fait que j'ai juste recommencé le concert. La seule chose, c'est qu'il faut que je m'habitue à comme remanger. Concert, les effets secondaires, puis tout, là, vivance. Tu sais, tout le monde, vous allez se prendre à me dire, moi, je prends telle affaire, moi, je prends telle affaire. Mais c'est vraiment personnel à chacun, dans le sens que moi, le concert m'a toujours bien fait, mis à part quand je connais pas ma dose, mais les effets secondaires, c'est ça. C'est que une perte d'appétit, puis pas un manque de sommeil, mais t'es pas à l'état dormir. Moi, en ce moment, ça, j'en profite pour travailler, mais pour la bouffe, tu sais, surtout que je m'entraîne vraiment beaucoup, ces temps-ci, j'essaie qu'au moins, tu sais, comme là, c'est pour ça, là, café protéiné à matin, je vais me sortir des noix puis du fromage tout de suite pour comme un petit peu plus tard, juste pour pas, tu sais, quand t'as pas faim, tu penses pas à manger. Fait que, hey, gros blabla ce matin, j'espère que je vous ai gardé jusqu'à là. Aujourd'hui, on est jeudi, j'ai les enfants, nous, on est le 2, vous êtes le 6, je crois. Axel m'a demandé de faire de la pâte à modeler. C'est comme leur activité vraiment préférée. Fait que je pense que je vais leur acheter d'autres affaires pour Noël. Parce que ça, là, je vous l'ai dit, là, c'est vraiment de la merde. C'est comme la seule affaire qui nous reste. À part, j'avais acheté un kit de petits dinosaures. Là, de même. Là. En tout cas. Fait qu'on va s'installer pour faire ça. J'ai aussi, j'avais acheté dans mes livres un chercher-trouve que je vous ai montré hier. J'aimerais ça qu'on s'installe pour faire ça. J'ai encore du contenu à créer pour des compagnies. Et vous ne savez pas quoi, je me suis inscrite au gym. On dit que c'est motivant parce qu'hier, on était toutes, on finissait le training, on était mortes raides. D'habitude, je vais lundi, mercredi, vendredi et de plus en plus samedi. Fait que ça m'en fait 4. Puis là, hier, on était genre... Maman! Ah oui, tu veux aller faire la plastine, hein? Avec moi, j'y vais. Puis là, qui vient demain, là? C'est Abdo-Fest, nanana. Fait que là, j'étais comme, j'ai les enfants, je lui dis, ah non, mais j'irai genre à midi. Mais midi, mon chum, il arrive à cette heure-là. Fait que c'est parfait. Je travaillerai plus un peu plus tard pour comme compenser parce que quand j'ai les enfants, je travaille comme quasiment juste l'après-midi. Fait que c'est ça. Puis là, ce matin, j'ai réussi comme à répondre à mes courriels, publier ce que j'avais à publier d'important pour qu'à midi, je sois libre pour le gym. Puis après ça, après le gym, ça va être gros après-midi de travail. Fait que là, on s'en va faire de la pause. T'as modelé!
blanc. C'est rouge. Que j'avais perdu mon verre dans, je vous place dans mon armoire, puis j'avais comme le verre parfait pour que la hauteur est parfaite, mais lui il est aussi bon. Fait qu'il est déjà rendu 2h59. Oui. Shallow gym, je suis revenue, j'ai fait beaucoup de travail et là je dois m'installer pour faire du montage, mais j'avais le goût de vous montrer, j'ai reçu encore une commande, ok, j'ai vraiment abusé. Disons-le, dans les dernières semaines, mois de commandes de linge. Mais la commande s'intitule Madame Cuirette. Ouais, c'est ce que j'allais vous présenter. Ok, regardez ça. Ça vient de deux places différentes. Puis on dirait qu'en ouvrant les colis, j'étais comme, voyons, je suis dormée dans un mood genre cuir. Check ça. Ça, c'est où? Au H&M. Ok, écoutez ça. Là, surprenez-vous pas si, genre, dans la prochaine année, on vend des sacs dans ce genre-là sur Lou Accessoires, parce que ça fait littéralement plus d'un an qu'on cherche un fournisseur pour faire des sacs comme de même, là. Tu sais, des sacs que genre, ça peut te servir autant sac à couche que sacoche, que tu sais, t'as pas d'affaire à transférer tes affaires d'un sac de bébé à genre une sacoche. C'est ce qu'on cherchait, puis on l'a pas encore trouvé, mais on cherche. Puis lui, je le trouvais, il ressemble pas mal à ce que j'aimais, là. Fait que je l'ai acheté en attendant. Regardez, la grosseur est comme parfaite. Puis c'est ça, c'est comme un peu cuirette, mais en dedans, c'est comme une sacoche un peu, là. Une poche ici, on voit pas vraiment bien, là. Une autre poche à zip, puis sinon c'est tout ouvert. Moi j'aime ça quand il n'y a pas 1000 compartiments. J'aime ça garocher mes affaires. Puis il y a un petit truc ici pour que ça ferme, mais il n'y a pas de zip. Genre. C'est bien facile d'accès. Fait que voilà pour ça. Sinon, restons dans le cuir. Regardez, j'avais oublié que je m'avais commandé ces belles petites bottes aussi chez H&M, je pense. Ouais, chez 30. Ok, non, 7. 38, 7. C'est normal? 30. US, c'est la bonne grandeur. 38, c'est européen. Ok, bon, ben, c'est ça. Les belles bottes de chez H&M sont vraiment belles. Pour vrai, j'ai trouvé full shiny parce que je trouvais que ça faisait beau. Puis, j'ai comme ça mes bottes d'hiver en ce moment. Ou mes bottes à talons hauts bégaux que j'aime vraiment beaucoup. Mais des fois, tu sais, à l'aréna, mettons, je suis tout le temps entre les deux. Est-ce que ça me tente d'avoir des talons hauts ou genre j'ai goût d'avoir l'air d'une fille qui va jouer dehors? Fait que c'est en principal pour ça. Puis pour les. Tu sais, mettons, tu vas juste au resto, tu veux pas mettre de talons. Et en restant encore dans la cuirette, ça, je l'ai pris par exemple, c'est Suzy Chier. Moi, j'ai toujours aimé. C'était le magasin à ma mère, ok, avant. Ben, le magasin à ma mère, je veux dire, on allait toujours magasiner là. Toute sa garde-robe vient de là. Puis j'appelais tout le temps ça Suzy Chier. Parce que c'était du linge de madame, mais là, vous voyez, j'ai fait quand même une pas pire commande. La dernière fois, j'étais allée sur place, j'ai trouvé mon veston rose, un full bon veston rose. Fait que là, quand j'ai magasiné en pleine nuit la semaine passée, j'ai dit, je vais aller voir sur le site, il y a eu un pop-up qui avait 40%. Fait que je me suis fait avoir. Puis j'ai acheté plein d'affaires, dont un manteau, je sais pas si vous allez bien le voir, là, mais encore une fois, un genre de cuirette. Là. Ça aussi, je trouve que c'est un entre-deux de comme mon manteau de chez Zara, vraiment, vraiment chic. À mes manteaux d'hiver, genre je vais jouer dehors. T'sais. Fait que mettons pour les matins de garderie, gym ou juste aller au resto sans être trop chic, ça va être parfait. Fait que voilà, là je m'installe devant mon ordi pour faire beaucoup de montage. T'as pas montré le suit en cuir que tu m'as acheté, tu dis que la boule rouge dans la bouche. Ce qui était fait. Ah, fait que je m'installe pour travailler. Les belles bottes de chez H&M sont vraiment belles. Pour vrai, j'ai trouvé full shiny parce que je trouvais que ça faisait beau. Puis j'ai comme ça mes bottes d'hiver en ce moment ou mes bottes à talons hauts bégaux que j'aime vraiment beaucoup. Mais des fois, tu sais, à l'aréna, mettons, je suis tout le temps entre les deux. Est-ce que ça me tente d'avoir des talons ou genre j'ai goût d'avoir l'air d'une fille qui va jouer dehors? Fait que c'est en principal pour ça. Puis pour les. Tu sais, mettons, tu vas juste au resto, tu veux pas mettre de talons. Et en restant encore dans la cuirette, ça, je l'ai pris par exemple, c'est Suzy Chier. Moi, j'ai toujours aimé. C'était le magasin à ma mère, ok, avant. Ben, le magasin à ma mère, je veux dire, on allait toujours magasiner là. Toute sa garde-robe vient de là. Puis j'appelais tout le temps ça Suzy Chier. Parce que c'était du linge de madame, mais là, vous voyez, j'ai fait quand même une pas pire commande. La dernière fois, j'étais allée sur place, j'ai trouvé mon veston rose, un full bon veston rose. Fait que là, quand j'ai magasiné en pleine nuit la semaine passée, j'ai dit, je vais aller voir sur le site, il y a eu un pop-up qui avait 40%. Fait que je me suis fait avoir. Puis j'ai acheté plein d'affaires, dont un manteau, je sais pas si vous allez bien le voir, là, mais
encore une fois, en genre de cuirette, là. Ça aussi, je trouve que c'est un entre-deux de comme mon manteau de chez Zara, vraiment, vraiment chic, à mes manteaux d'hiver, genre, je vais jouer dehors. T'sais. Fait que, mettons, pour les matins de garderie, gym, ou juste aller au resto sans être trop chic, ça va être parfait. Fait que voilà, là, je m'installe devant mon ordi pour faire beaucoup, beaucoup de montage. Ah, t'as pas montré le sous en cuir que tu m'as acheté. Tu lis que la boule rouge dans la bouche. Ce qui était fait. Ah, fait que je m'installe pour travailler. Rendu. Quelle heure? Il est 6h35, c'est bon, on a reparti un film qu'on avait commencé hier, un film de Noël. Hier? Hier, c'était la danse, on n'a pas fait de film. Ouais. Avant hier. Et on a fini toutes nos lettres, il va rester à compléter les adresses qu'on connaît pas, genre les amis à Léa ou même. C'est ça, il y en a qu'on connaît pas, à mettre des timbres. Et j'ai fait. Carte postale pour Noël. Hein? Enfin, j'espère qu'ils vont être contents. Puis là, on va ouvrir nos calendriers parce qu'en écoutant le film, moi, je vais prendre mon thé. Donc, aujourd'hui. Je l'ai trouvé. Rien. Je regardais. Le 2, c'est. Oups. Ah, oh, Elgur Crème biologique. D'habitude, j'aime pas ça. T'as pas mangé le 1, toi? Elgur, c'est ma sauce. Correct. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon calendrier. Toi, c'était ce matin. Toi, c'était ce matin. Alors, moi, je veux toujours les manger les fois. Eléa, commence ça, s'il te plaît. On va t'asseoir dans le salon, sinon ça va te coucher tout de suite, Eléa. OK? Puis là. OK, tu as déjà sorti? Ah, ouais, c'est ça. Il est où le papier? Non, mais je sais pas, moi. Mais là, on a fait quoi avec, hein? Ferrero au Rocher. Le blanc. Est-ce que je peux l'avoir? Oui. Fait que notre calendrier de Ferrero Rocher, c'est le blanc coconut. C'est genre mon préféré avec le original. Puis Max, mais il y en a plein, là, hein? Oui. Tu sais, il y a le... Ouais, Laura Secor, là, aussi, là, il est bon. Il a l'air vraiment bon, aussi, lui, de Fée Enchantée. Est-ce que Fée Enchantée, c'est quoi? Ouais. Fée Gourmande. On n'arrête pas de dire Fée Enchantée, mais c'est Fée Gourmande. Il a l'air vraiment bon. Un petit chocolat fancy. C'est quoi? C'est des bébés chocolat. C'est des carrés. C'est pas écrit, c'est quoi? Tellement bon. Je mange tellement plus de sucre depuis que je m'entraîne. Prends-tu ou je le prends, oui? Ah, prends-le. Un petit fruit, hein? Ah, un petit chocolat, c'est quoi? C'est vraiment délicieux. Voilà. Fait qu'on va aller écouter le film. Fait que je vais faire monter. Après ça, on va finir le film et ça va être l'histoire, l'autre histoire. Fait que je vous montrerai la deuxième histoire tantôt. Oh là là, je viens de cleaner une parado.
une bonne partie de la maison. On dirait que je respirais plus, là. Sincèrement, là. On dirait que... Genre, j'ai reçu vraiment beaucoup de colis pour faire du contenu dans le mois de décembre. Fait que ça. Et j'ai comme acheté par moi-même beaucoup de choses pour faire du contenu. Acheté beaucoup de choses pour la maison. Acheté beaucoup de choses parce que je t'ai dit pour avoir du nouveau linge. Comme je vous disais, je t'ai dit. J'avais vraiment une rage de linge ces temps-ci. Fait que c'est tout le temps des colis. Puis tu sais, c'est pas genre je reçois un colis par semaine. C'est genre je reçois 5 colis par jour. Fait que le papier, les boîtes, là, j'étais comme, je me sentais encombrée. Là, aujourd'hui, j'avais les enfants. Fait que quand j'ai les enfants, tout. Tu sais, tu peux pas, comme, mettons, le mercredi, ils vont en garderie. Je peux, comme, cleaner le matin, travailler, puis arrive de l'école garderie. Puis là, je recline un peu, puis on se couche. C'est genre toute la journée, il y a des enfants dans la maison. Puis on a fait quand même beaucoup d'affaires un matin, là, tu sais, plastine, puis tout. Puis tu sais, comme je vous dis, j'essaie d'être avec eux à presque 100%, mais. Vu que le service à clientèle est quand même relativement intense ces temps-ci, j'essaie quand même de l'avoir proche, puis je peux pas m'empêcher de justement, tu sais, j'ai des employés, j'ai des collègues, on n'est pas tous sur la même horaire, fait que je veux rester disponible pour tout le monde, fait que ça fait que je suis comme, mettons, jamais à 100% à rien faire. Fait que, tu sais, on dirait que là, OK, les enfants, ils finissaient la plastine, là, mettons, je répondais à un message, je ressortais un autre jeu. Fait que, mais un matin, pour vrai, j'en ai quand même profité. À 95%, mettons. Puis après ça, j'ai pu aller au gym. C'est la première fois que je vais au gym le jeudi. C'est abdos-fesses au Misfit. Ça a vraiment fait du bien. J'ai l'impression, tu sais, quand ton corps au complet va mourir, genre de muscles, les muscles, on dirait qu'ils vont s'effriter. Mais ça me fait un bien. Genre, c'est bon pour mon bien-être. C'est bon pour le mental. Fait que c'est ça, en tout cas. Fait que là, je me sens raquée, je suis bien. La maison est relativement ramassée. Fait que là, je peux aller me coucher. Puis, ben, je peux aller me coucher. Vous le savez, là, j'essaie de vraiment clencher tout ce que j'ai à faire du mois de décembre. On est le 2. Puis, pour vrai, mes real concours, mes montages avancent quand même de bon train. Mais c'est quand même tout le temps publié à tous les jours, à monter à tous les jours. Puis, voilà. Fait que je vais aller me coucher. Puis j'espère que vous avez aimé cette journée. J'espère que ça vous donne quand même des idées, les activités que vous voyez. Comme j'ai dit au début du vlogmas, j'essaie vraiment de ne pas prendre toutes les activités du e-book, malgré que là, à date, c'est 2 du e-book, si je me trompe pas. Puis je sais même pas c'est quoi demain. J'ai aucune idée. Fait que, tu sais, avant de me coucher, je vais aller voir d'un coup qu'il faut que j'achète de quoi ou que c'est pas prêt pour demain. Fait que demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, pour nous, on est vendredi. Et j'ai beaucoup de contenu à créer. Puis j'ai aucune idée c'est quoi l'activité. Fait qu'on va tout découvrir ça ensemble demain. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne soirée, bon bain, bon verre de vin, bon café, bon thé. Puis bonne journée! Bye, à demain! Merry Christmas from a distance. I wish you were...